Ah bah on a la nouvelle map, voilà. Parfait. Let's go. Test. On va peut-être la poster sur YouTube. Celle-ci. Alors, comment ça se passe, son pouvoir? On le charge. On invoque. Et on attaque, c'est ça? Et on lâche. Et on peut le lancer. Et là, ça fait une nuée de corbeaux qui va loin. D'accord. C'est fille qui a perdu son frère jeune et qui est devenue une meuf corbeau. C'est plutôt bien résumé. Alors, avant quoi que ce soit, j'avoue que le son du coup maintenant est pas assez fort. Voilà. Alors, je sais pas du tout comment on va utiliser ça. Ouais. La map est jolie, en vrai. Elle est très ouverte. Mais ça fait plaisir qu'ils fassent une map ouverte, par contre. Parce que bon, les maps fermées, on en a bouffé passé un moment, là. Ça va. Ils ont déjà mis un totem. Je comprends pas à quoi sert son pouvoir. Ah, dans trois directions différentes, ouais, ok. Donc là je peux faire ça, attends. Ça ressemble à Z dans, dans League of Legends. Mais y a personne qui joue ou c'est moi? Ils sont où tous là? Ça c'est un décroché avec la compétence du coup j'imagine. J'entends des corbeaux là-bas. Là j'ai l'impression que j'ai chopé quelqu'un. Ah ouais, ok, je viens de la blesser comme ça, d'accord. Caché dans les tombes. Donc là, je sais où aller. Ah, elle a pas beaucoup de portée sur son attaque. Ok. J'ai fait un... C'est moi qui ai fait le 3-6T. Et là, faudrait que j'aille l'accrocher sur un des crochets blancs, là, c'est ça? C'est ça qui fait partie de ma compétence. Enfin, de la compétence que... Pas le pouvoir, hein, mais la compétence que j'ai rajoutée. Tac. D'accord. Et j'ai chopé quelqu'un. Et j'ai blessé quelqu'un, mais... Mais c'est un tueur pour snipe, en fait. Genre, c'est vraiment très grande distance, pour le coup. Bon, ça a l'air d'être facile à esquiver quand tu vas, quand ils vont savoir la jouer. On va accrocher ça. Ouais, mécanique comme l'entrée, ok, je vois. Je vois le genre. Ah ouais, Huntress sur cette map. Waouh. Pourquoi je peux pas invoquer? Là je peux checker tous les générateurs en faisant ça je crois. Voilà, je sais qu'il y a un mec là-bas par exemple. C'est intéressant en vrai. Comme gameplay c'est intéressant mais je pense que ça va être trop facile à counter quand les gens seront joués. Ok là ça a juste survolé et du coup je sais où aller. On va même passer dans le bâtiment. Ouah, ultra sombre mais... Ça fait penser à House of Ashes. Que j'ai fait récemment sur Twitch d'ailleurs. Ça me fait beaucoup penser à ça.
L'ambiance un peu égyptienne, tu sais, alors que c'est juste un nid. C'est super beau, c'est vraiment super beau par contre. Bien joué. Ok. Super beau, mais. Super bizarre aussi, je trouve. Genre, elle est vraiment bizarre, la map. Ah, les corbeaux qu'on entend, du coup, c'est perturbant. J'ai l'impression que c'est mon pouvoir, mais. Je sais que c'est sur la map. Il y a quelqu'un ici, il me semble. Ouais. J'ai touché là. D'accord. Oh, j'aurais pu la snipe comme ça, t'sais. Bon, ça l'aurait pas tué, mais. Oh, elle a même pas mis la palette. Oh, elle a bien joué. Ses bras sont trop bizarres, la tueuse. Ouah, ses jambes. Donc là, je vois où elle est. Voilà, ok. C'est un gros wallack, hein, en vrai. Ses jambes sont trop bizarres. On dirait des jambes de poulet. C'est normal, c'est un corbeau, mais... Elle me fait penser à un mélange entre Huntress et Spirit, et pour la façon qu'elle a de marcher et tout. Bon, bah je sais pas où ils sont allés. Ok, y'a quelqu'un là-bas. Il est pile entre les deux. Ça donne grave l'info par contre, pour de vrai. Les jambes de poulet, je te jure. Ça fait penser à l'attaque de démon Gorgon par contre. Ah, what? Attends, pardon? Je sais pas comment assez pour Vesky en fait. Encore une fois, j'ai raté. C'est super dur à mettre. Je trouve. J'ai eu le hit. Et du coup, mais t'as un gros wallock, ça c'est trop fort pour de vrai. Faut que je mette au mouvement en fait. Genre maintenant. Oh, j'aurais pu. Oh, j'aurais pu. J'aurais pu la snipe comme ça. Je l'ai eu comme ça. Voilà. Équilibrage, je suis pas sûr. Hein. Dead Heart, ça, c'est chaud, non? J'ai chopé quelqu'un là. Il est là-bas, ok. Je pensais qu'elle avait Sprint Burst. Ok, par contre ça donne beaucoup trop l'info, je trouve. Oh
On dirait pas vraiment les attaques de démon gorgon. C'est copié un peu là-dessus, non? Moi bah, ça me va, hein, mais on dirait un peu ça. Je trouve. J'ai un totem là-bas que je vais pouvoir mettre. Ouais, ils vont se faire qui à travers les obstacles, ça va être trop fort. Et du coup, je dois faire quoi? Il est où? Il est là mon totem? Cassé. Ok, j'en ai eu un, ils vont moins vite pour faire le générateur. Choper un mec là-bas. Et l'autre l'a aidé, ok. Ça a l'air d'être fort quand même, hein. Sa compétence sur les crochets là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, j'avoue. Ça ressemble un petit peu. Un peu. Pyramide Head. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais. En fait, je vois pas où ils sont maintenant. La map est large en même temps, elle est pas très grande. J'arrive pas à... C'est super bizarre en fait. Ok, je vais juste le choper. Il va finir le générateur. Non, même pas. Je l'ai chopé. Il a déjà réussi à se débattre? Non. Il a fait le générateur ici. Merde, ok. Je sais pas où il est parti. Mais j'ai déjà eu un kill en vrai, c'est déjà bien. Je comprends pas où il est parti en fait. Il a dû partir à l'autre porte. Ouais. Ok. Non, j'avoue que là, avec la compétence. One shot Noël et tout, ça peut être pas mal. Hein. Maintenant, oh, je vais me battre. Là tu one shot, t'es bien quand même. Bien joué. Ah oh, what, elle court comme ça. Et bien voilà, ce fut une game pour YouTube. Le petit like, le commentaire, l'abonnement, merci beaucoup. À bientôt.